morning, courtier. Une autre capsule aujourd'hui. Vraiment content de vous voir ce matin. On reparle du challenge. Mon premier challenge de l'année, 90 emails en 90 jours. Donc, je suis sûr que vous êtes capable. On est en train de... On a enfin décidé de qu'est-ce qui allait arriver avec ça. Donc, tous ceux qui vont atteindre le 90 emails au bout de 90 jours, je vous mets dans un chapeau et je vous fais tirer parmi tous ceux-là un landing page personnalisé pour votre site Internet pour éventuellement avoir une campagne qui, une campagne de publicité qui va être en lien avec cette landing page là. Donc ça vaut vraiment la peine d'y mettre l'effort. Dans le fond, ça va être un coup double parce que vous augmentez votre base de données, vous gardez l'habitude, dans le fond, vous développez l'habitude d'avoir plus de monde dans votre base de données, ce qui va faire en sorte qu'on va envoyer votre infolette à plus de gens et finalement, la roue va tourner, vous allez avoir plus de retours par rapport à tout ça. Et vous allez gagner justement sans doute plus de mandats au final. Donc, c'est une roue virtueuse qu'on fait avec ce challenge-là. Le deuxième challenge va arriver après ça. Dans deux mois, on va arriver au deuxième challenge. Puis déjà, on est en train de définir le restant de l'année. Mais quatre challenges cette année, je vous rappelle. Le premier, ajouter un courriel par jour dans votre base de données. Je voulais revenir aussi un peu sur le dernier webinaire qu'on a eu. Petit outil intéressant que j'ai parlé, c'était le fameux feuille d'objectifs pour 2022. Donc, dans le bas du courriel, allez voir, il y a le lien pour le télécharger. C'est un petit PDF, c'est deux pages. Et vous définissez votre objectif, combien de dollars vous voulez avoir dans les 12 prochains mois. Et suite à ça, vous indiquez le nombre de jours que vous voulez travailler, le nombre d'heures par jour, le nombre de semaines par année, et ainsi de suite. Donc, vous remplissez les cases, vous allez voir, c'est très simple. Et au final, ça vous dit si oui ou non, vous avez besoin d'aide pour atteindre cet objectif-là. Si vous êtes dans la case « Oui, j'ai besoin d'aide », dans ce temps-là, vous prenez un petit rendez-vous avec moi, donc toujours dans le même email, un petit peu plus bas, vous avez le lien directement pour booker un rendez-vous avec moi. Vous cliquez là-dessus et on peut se parler ensemble de vos objectifs puis comment justement mettre en place des campagnes de marketing pour l'année pour pouvoir atteindre justement les objectifs que vous êtes fixés, soit au niveau vendeur, soit au niveau acheteur. On a un paquet d'outils qu'on est capable de mettre en place pour justement peaufiner votre présence numérique au-delà de justement des outils traditionnels. Donc, on parle de pub Facebook, pub Google, remarketing, ça peut être des envois courriels un petit peu différents, ça peut être justement un canal de conversion, ça peut être un paquet d'outils, dans le fond, qu'on a à notre disposition pour vous aider. Nouveauté, vous allez remarquer aussi dans l'infolette, il y a un petit peu plus bas, étant donné que je pose tout le temps la vidéo, vous le savez, je suis un apôtre de la vidéo dans les réseaux sociaux, mais je vais vous aider un petit peu, puis à chaque envoi qu'on va faire comme ça, je vais vous mettre un sujet, donc un petit peu plus bas, vous avez le sujet de la semaine sur lequel vous pouvez faire un petit vidéo facile, vous nous envoyez ça, on va mettre ça sur vos réseaux sociaux, on va faire du millage avec ça, puis vous allez voir qu'au bout du compte, à la fin de l'année, après que vous allez avoir une trentaine, cinquantaine de vidéos, vous allez voir que déjà va avoir de l'attraction. Donc, en effet, la vidéo, c'est pas quelque chose d'instantané, à moins que justement vous ayez vraiment une promotion que vous voulez parler dans votre vidéo. Si vous faites des vidéos pour informer le public, donc pour informer c'est quoi le courtage immobilier ou c'est quoi telle situation dans le courtage immobilier ou qu'est-ce qui fait en sorte que justement le prix des maisons est ce qu'il est présentement. Donc, vous donnez l'information de façon régulière. Donc, vous établissez votre crédibilité, vous vendez votre personnalité en même temps dans une vidéo. Donc, si vous faites de façon régulière, vous allez voir, vous allez récolter les fruits à long terme, dans le fond, par rapport à ça. Toujours moyen aussi, en effet, de booster ces petites vidéos-là pour avoir plus de visibilité, pour sortir de votre sphère d'influence normale de vos abonnés Facebook ou différents réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on booste, mais en effet, c'est des gens qui sont dans votre secteur, qui ne vous connaissent pas, puis là, finalement, vous mettez de l'avant votre personnalité et vos services. Ça peut vraiment valoir la peine comme petite stratégie pour augmenter votre visibilité. Fait que, sur ce, continuez à collectionner, dans le fond, vos courriels de vos contacts. Créer au moins une première vidéo, ça pourrait être vraiment votre challenge de la semaine, si on veut, là. Mettez votre cellulaire sur un petit trépied ou à côté contre un livre, tout simplement à votre bureau. Faites record. Faites-le trois fois avec le même sujet au pire, juste pour voir lequel qui est le mieux. Puis envoyez-nous le restant, on va opérer la magie, vous allez voir. Sans doute que vous n'aimerez pas votre voix, vous n'aimerez pas votre look, tout ça, mais c'est pas grave. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Donc, faites-en en premier, et après ça, on pourra vous coacher, puis on pourra vous donner des petits cues pour améliorer le tout, pour qu'on ait des résultats par rapport à ça. Donc, sur ce, je vous souhaite tous un listing de plus en fin de semaine, puis on se reparle.